Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question numéro 20 du sujet C du concours Kangourou 2017. Voici l'énoncé. Kangourou 2017, sujet C, question 20. Une suite de chiffres commence ainsi. 2, 3, 6, 8, 8. Voici comment elle est obtenue. On commence par 2 et 3 et ensuite chaque chiffre est le dernier chiffre du produit des deux précédents. Quel sera le 2017e chiffre de la suite? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réponse D, 6. Réponse E, 8. Alors, la suite, donc c'est le produit des deux précédents. Donc, on commence par 2 et 3. Donc, ici, 2 fois 3, 6. 3 fois 6, 18. Donc, on prend le dernier chiffre, donc c'est 8. 8 x 6, 48. Donc ça va être 8, le dernier chiffre. 8 x 8, 64. 4. Alors ensuite, 64, donc 8 x 4, 32. 2. 2 x 4, 8. 2 x 8, 16. 8 x 6, 48. Donc là, on va avoir 8. Et on retrouve 8 x 6, 48, 8. 8 x 8, 64, 4. 8 x 4, 32, 2. Et ensuite, on va retrouver donc 8, 6, etc., etc. Donc ici, on a une période, donc on appelle ça des périodes dans la suite. Donc ici, ce qui va se répéter, eh bien, ça va être 6, 8, 8, 4, 2, 8. 6, 8, 8, 4, 2, 8. Donc on dit que la période ici, donc c'est une première période, deuxième période. Donc la période, elle a 6 termes, 6 termes. Et ainsi on veut savoir quel est le 2017e chiffre de la suite. Donc ici, on a deux chiffres qui ne sont pas dans la période. Donc on va soustraire à 2017, 2, ça va être 2015. Et ensuite, on veut savoir quand est-ce dans la période où se place le 2017e chiffre. Donc pour cela, on va prendre 2015, on va le diviser par 6. On fait une division euclidienne. Donc là, ça va faire 26, on va dire 3, 2, 21, 3, 3. Donc il va rester 3, 35, donc ça va faire 5, il va rester 5. Donc le reste de la division euclidienne de 2015 par 6, ben, c'est 5. Donc le 2017e chiffre va être au 5e rang de la période, donc ça va être ici, donc ça va être le nombre 2. Donc la réponse, ça va être la réponse A, 2. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.